qui commence avec un jeu de pieds bien particulier. Alors, je me tourne de côté pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Talon devant, glisse le pied gauche. Plante derrière, glisse le pied gauche. Talon devant et on avance deux fois. On recommence la même chose, mais par en arrière. Donc, plante, glisse, talon, glisse, plante, glisse, deux fois. Sauf que quand on danse, c'est un petit peu plus rapide, ce qui donne et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ça va? Donc, je me tourne, comme cette partie-là est expliquée, je la danse une autre fois, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On tourne vers la droite, un tour complet, sur le compte 1, et 2, et 3, et 4, avec un arrêt du pied gauche de côté. On recommence la même chose du côté gauche, 5, et 6, et 7, et 8. Un chassé devant pied droit, un chassé devant pied gauche, un chassé devant pied droit, pied gauche demi-tour, un chassé gauche, un chassé droit, un chassé gauche, stop, stop. Dans cette chorégraphie-là, il y a un tag qui se fait après le deuxième mur et après le quatrième mur. Le tag, c'est un peu sur le même principe dans le compte du premier pas que je vous ai montré. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir. Ça donne ceci. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. La première fois, donc après nos deux premiers murs, ce tag-là, on le fait deux fois de suite. Ce qui donne et 1, et 2, et 3, et 4. Recule, avance, recule. Avance, recule, avance, deux fois, recule. Ensuite, on recommence la routine. Quand on l'a fait deux autres fois, donc après le quatrième mur, on refait cette tag-là, mais une seule. Donc, un compte de 8 et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ben voilà pour hop! Voici maintenant la chorégraphie hop sur la musique. Deux tags. Le premier, la première fois qu'on fait le tag, c'est 16 comptes et la deuxième fois, 8 comptes.